Voilà, j'avais vu le titre de la vidéo, Sori Cissé, Mandé Mori, Mandé Moba. D'abord, nous allons parler de la coupure du courant au siège de RPZ Arc-en-Ciel. Deuxièmement, au moment où le peuple souffre, au moment où les enseignants sont en train d'être licenciés par le ministre de la Fonction publique, au moment où des écoles jusque-là, dans les sous-préfectures, des collèges, n'ont pas de professeurs, au moment où je parle des lycées construits par des ressortissants résidant en Europe, aux États-Unis, des lycées dans les sous-préfectures n'ont pas de professeurs, ils ont construit, ils ont remis à l'État. Au moment où les salaires, les indemnités, tous les privilèges que les enseignants avaient là ont été coupés, le ministre Guillaume, lui, il est en train de caresser une petite fille qui a d'égal d'âge que son. Est-ce que la fille n'a pas l'égal d'âge de sa dernière fille, je ne sais pas, une fille qui n'a même pas 20 ans. Nous allons montrer la courte vidéo qui n'est pas intéressante, mais franchement, il faut montrer au monde entier cette honte mondiale. Où la petite fille avec iPhone Pro Max, à vous de regarder le numéro 6, c'est 14 ou bien 13. Regardez iPhone Pro Max. Une petite fille de 19 ans, avec un ministre de l'enseignement préuniversitaire qui aujourd'hui ne se préoccupe pas du manque de professeurs, il ne se préoccupe pas du manque de problèmes éducatifs. C'est-à-dire, lui, il préfère acheter iPhone Pro Max pour une petite fille de 19 ans, la carré publique, et puis il s'est fait photographier. Oui, c'est doux, l'argent du CNRD, c'est très doux. Fouma, Nissoma, comment vas-tu? Nous allons dorer. Nous allons terminer par le dernier point. Concernant Mohamed Saïd qui menace, j'ai vu son poste qui menace, où il dit ce qui va arriver au RPG là, ce sera plus pire que le 5 septembre. Malheureusement, c'est les propos d'un faible, les propos d'un perdant. Tu as vu? Parce qu'en aucun cas tu ne pensais à cela, que le RPG peut t'exclure. Et tu connais la loi, tu connais les règles, on t'a bien expliqué. Tu as vu la première phrase, non, le premier paragraphe. Là, on dit vu. C'est-à-dire vu là, le premier vu là. Vu, c'est-à-dire les documents que nous détenons là. Ce sont les documents là sont les lois. Parce que les documents là ont été validés par le ministère de l'administration du territoire. Autorisant la création du parti. Donnant le plein pouvoir au parti. Je pense que si tu es du RPG, et qu'alors, tout ça là, c'est vous crachez sur nous, c'est la faute de certains éléments, membres du RPG, qui ont accepté que des individus viennent se greffer à nous, et puis aujourd'hui, ils sont en train de nous insulter gratuitement. Il n'y a pas de problème. Je pense que Mohamed Saïd, nous disons la vérité à qui veut l'entendre. Tu as vu le chef, le patron, le professeur Fakoda est allé mentionner le nom de Kiridi Bangoura. Lorsque j'ai parlé de ça là, un jour là, les gens m'ont dit, non, Benito, il faut te calmer, il faut faire comme ça. Là, c'est le président de la République, son excellence, le professeur Fakonde, lui-même qui mentionna le nom de Kiridi. C'est pour te dire que quand mon grand frère Lincoln dit que si tu cherches des partis dans ce pays-là, structurés, organisés, c'est le RPG arc-en-ciel. Dès le lendemain du coup d'État, le professeur Fakonde était déjà informé. Parce que c'est Kiridi même qui appela Doumbouya au téléphone pour lui proposer des services. Vrai ou faux, ben, le professeur Fakonde ne ment pas. Il a toutes ses preuves. Et il n'a pas dit que c'est mauvais. Il s'est dit seulement déçu. C'était son ministre secrétaire général qui avait toutes les informations du palais. Donc, famille, vous avez vu ce qui s'est passé au siège dans ce pays-là, qu'on appelle la République de Guinée. Depuis le temps colonial, jusque-là, nous sommes comme ça, là. Le seul président de la République. Au lieu d'aller acheter le groupe électrogène, au lieu de partir acheter des groupes électrogènes au Nigeria, au lieu de partir acheter des vieilles machines, Abbas, Ahmed Abbas, comment vas-tu? Au lieu d'aller acheter des raccommodages de fils, le professeur Fakonde en a fait son programme personnel. J'ai vu un monsieur qui a combattu le professeur Fakonde pendant 10 ans. Et là, c'est dans le Ndialo. Mais là, j'ai dit que dans ce pays-là, nous devons l'électricité au professeur Fakonde.
Et là, Cédric Ndiallo l'a dit. Et là, Cédric Ndiallo a dit encore que si vous voyez aujourd'hui qu'il n'attaque pas le processus sur le plan économique, parce qu'il y a beaucoup d'argent à la Banque centrale. Il y a bel et bien de l'argent, mais très mal utilisé, détourné ou dilapidé. J'étais d'accord avec lui ces jours-là. Donc, si on nous coupe le courant, merci Ousmane Baonoaï, frère, merci depuis la Côte d'Ivoire, Dongoltouma, mon village natal. Si aujourd'hui, on se permet d'aller couper le courant au siège, j'ai vu un certain Ibrahima Kalou Traoré, dont sa photo de profil, c'est le ministre Ismaël Djoubati, qui a attaqué mon frère Fumba. Fumba a posté, il dit merci au président d'avoir donné le courant. Lui vient écrit là-bas qu'il y a un parti comme le RPG qui est incapable de payer ses factures. Et nullement, ce n'est pas un problème de facture. Ce n'est pas un problème de facture, hein, on a coupé le courant. Il y a une liste des jeunes, je le dis aujourd'hui, une liste des jeunes du RPG. 40 personnes bien identifiées aujourd'hui qui risquent d'être arrêtées dans les jours à venir. 40 jeunes, très solides, structurés, organisés, même dans les débats, dans les postes, qui ne reculent pas. Pour eux, aujourd'hui, sur le RPG solide, vous avez compris, lorsqu'on dit, et lorsque disait un frère, la dernière session hebdomadaire du RPG, j'ai oublié le nom du frère, il dit, Koni Kameko parti, si tu entends un parti politique, un parti, c'est les femmes et les jeunes. Donc, ils ont fait une liste de 40 personnes. Je dis bien, 1, 2, 3, 4. Une liste de 40 jeunes, bien solides, bien organisés, bien structurés, bien là, qui sont presque le pilier, c'est-à-dire le pilier du RPG. C'est-à-dire, c'est des soutiens inconditionnels de l'actuelle direction générale. Les soutiens inconditionnels du professeur Fakonde. C'est-à-dire des soutiens, pas des moindres, mais des vrais soutiens du parti. Donc, ils ont menacé les chefs. Je ne parle pas de ceux qui sont en prison. Hein. Même ceux qui sont aujourd'hui dans la direction provisoire sont menacés. Il y a d'autres qui sont sous poursuite judiciaire. Vous avez vu côté du livre des aussi. Le frère Seloubalde et autres, là, on les a menacés pour pouvoir les maîtriser, les calmer. Mais ils tapent coup pour coup. Donc, ils étaient partis au siège, pensant trouver les LCC, les Lamine Ouaraba, les Fumba, les autres, là. Ils ont les noms. Mais malheureusement, ils n'ont trouvé personne. La coupure, là. Aldi Finkel Neke. Moi, je vais terminer, je vais mettre un i sur ça. Aldi Finkel Neke, ce qui peut nous décourager, c'est-à-dire on laisse Doumbia tranquillement. C'est sauf si vous arrêtez de nous harceler. Continuez à nous harceler. Si vous pensez que c'est ce qui va nous ramener vers vous, si vous croyez que c'est ce qui va nous envoyer vers vous là. Wallahi, mon frère m'a dit, si c'est un trafic, on le fait. Et car mon frère, si il avait dit ça un jour, leur pisa beaucoup de têtes. C'est que Alma RPG long quoi. Quand vous regardez nos chefs là, vous pensez que c'est le pilier du RPG. Alta Kalama. C'est à cause ça là. Dans les deux, je vais dire le nom de mon frère Lincoln Souma. Il dit que le RPG est un parti structuré. Vous ne connaissez pas les roulements du parti, les maillons du parti. Alma long. D'abord, il faut être RPG. Et dans le fond, quand tu es dans un parti, il prend ton temps, étudie le parti. Mais d'autres sont venus pour manger et partir. Nous connaissons. Est-ce que vous comprenez? Donc, Aldi Kokelene, Kokelene Pets, Mendake, Andi Doumbia Toué. Ceci vous ne continuez pas. Si vous arrêtez de nous harceler là, Andi Doumbia Toué. Si vous ne continuez pas de nous harceler là, Andi Doumbia Toué. Mais si vous continuez là, si vous continuez de nous harceler, de nous attaquer, pensant que quoi le Watana c'est là, Kanana, derrière Doumbouya. Doumbouya, braban de la calcul. Aïma Olegna. Doumbouya, c'est du passé. Doumbouya, Doumbouya, t'es mossi là, programme. Doumbouya est mon clé maintenant, programme.
c'est vous. C'est Aluka Doumbé, Aluka Monifinia et Doumbiaro. La seule personne positive devant vous dans ce monde-là, allez les Doumbia, Andy le bras, Doumbia est du passé. C'est une question d'heure et de temps. On dit le temps est le second nom de Dieu. Alcan d'affil le coupé. Là où vous avez coupé maintenant, vous avez coupé le courant. Ce que vous devez faire, dites aussi que le RPG, là, le bâtiment du siège, là, ça, ça dit, le RPG doit ça à l'État. Augmentez ça. C'est-à-dire, dites ça, nous saisissons le siège du parti parce que le bâtiment appartient à l'État. La Guinée ou de l'État à Kadouaro, au Falanke. Quand vous faites ça, là, vous allez voir quelqu'un du RPG donner un bâtiment comme siège. L'ancien siège là, qui est à Amdalife, demandez comment, qui, le bâtiment là appartenait à qui. Alors, il y a dit que l'ancien siège du RPG là, au bord de la route là-bas, là, vous dites, demandez qui a donné ça au RPG. Normalement, vous voulez que tout ce que je vous ai dit. Moi, j'ai vu un frère là aujourd'hui, Mfaebra Dounyaye, il dit qu'il est dessus, il était supporter de Doumbouya, mais il est dessus, parce que Doumbouya Bra, Toha, Molbrawa, Kwa, Koulam, le siège là. Et qu'à l'Andel le Kafo, que tous ceux qui sont du RPG, dire qu'ils sont du RPG, mais ils vont aider Doumbouya là, tu n'es pas du RPG. Et qu'on en fait, ne dites pas que vous êtes dessus de lui, qu'on en fait, quel intérêt. Et qu'à l'Andel le Kafo, dessus de Doumbouya, comment est-ce que Doumbouya là, tout le monde doit courant couper RPG là? Parce que facture côté, hein? Facture côté. Ce n'est pas un problème de facture, hein? Facture côté. Et qu'on en fait, oh, hey! N'a fait la loi Kawa Cardinal Blaka siège fermé. La loi Cardinal Blaka siège fermé. Quand le bâtiment est récupéré, c'est pour l'État. Vous pensez que même le bâtiment de Cible là, c'est fini? Là où ils ont fait l'école primaire là. Tôt ou tard là. L'affaire là va aller à la justice. Celui aura raison et puis ils vont le retourner à une maison. Celui le père va pitié parce que c'est devenu une école. Mais il va demander des dédommagements. Il peut demander. Il peut demander des milliards à l'État à cause de ça, parce que Hakeli. Donc, Nalmo Krenneke. Nalmo Krenneke, c'est que. Hadjawata, Niki, comment vas-tu? Ouais. On love tout Hadjawata. Nalmo Leke, c'est que. Aïma Moneban, hé. Ça là, ça nous dit rien, absolument rien. Allez-y, ramassez toutes les chaises, ramassez tout le matériel. Aïa, ben ramassez. Dites que vous fermez le siège et puis c'est terminé. Vous allez voir si le RPG ne va pas parler. Vous avez payé plus de 70 000 dollars depuis que vous avez commencé à payer les aux États-Unis pour me faire taire Damaro, Matou. Actuellement, Matou est très chargé, il n'arrive pas à faire le direct. Vous avez payé tout cet argent-là, plus de 70 000 dollars. Les 70 000 dollars, vous pouvez remettre ça à des femmes guinéennes, à des petites et moyennes entreprises guinéennes, ou au lieu de la bara pour nourrir les familles. Mais vous avez préféré donner ça à des individus qui ne peuvent même pas nous atteindre. Il ne peut même pas s'arrêter à 10 mètres de nous aux États-Unis. Même à 10 mètres. Même 10 mètres. Il ne peut pas être à 10 mètres de nous aux États-Unis. Vous avez gaspillé votre argent cadeau. Donc, vous voulez très bien faire qu'à Farniana, qu'à Ben Siège, Koma, en allemand, ok, c'est que Ndjou Souté là. Allez-y, coupez, fermez tout. Ibrahim, mais vous. Des petits supporters d'Ismaël là et de Jakaria Okurba et autres là. Allez-y, mais il y a la poste là. Quand je vais à vos postes là, quand on me coupe, on m'envoie ça, je ris seulement. C'est, ça dit, pour vous là, pour obtenir la voix de quelqu'un, pour obtenir l'amour de quelqu'un, pour obtenir quelqu'un dans ton parti là, il faut le brutaliser. Si tu veux approcher quelqu'un là, il faut le brutaliser. Si tu veux être partenaire avec quelqu'un, il faut le brutaliser, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que c'est comme ça qu'on gagne le RPG, ou bien l'IFDG, ou bien l'IFR, en les brutalisant, comme aujourd'hui c'est le cas de l'IFDG, de l'IRPG, je parle de RPG. Vous, si vous pensez que vous gagnez, vous êtes en train de gagner, vous voyez que quand j'entends certains personnes qui aiment Doumbouya dire que c'est vous qui mettez Doumbouya dans le problème, vous voyez, ceux qui donnent. Et puis moi, c'était Maninka Deng Bansan. Abel Maninka Deng. Maninka, Abel Maninka, de Allah voilà, voilà, Anya Akete, El Pézé Antale, Maninka Partile, Nal Masson, Foka Akete, Akete, vous avez perdu, vous avez tapé pour tout, gros pour tout même. Parce que là où nous sommes comme ça, là,
Nous sommes des enfants, mais nous connaissons un peu la politique. J'ai dit le combat entre le professeur Fakonde, le combat politique, l'adversité que le professeur Fakonde et Sédal Diallo se sont livrés dans ce pays-là. Cela nous a permis, cela nous a permis tellement de s'adonner à la politique. Vous voyez quand je dis, je rends hommage au professeur Fakonde et à Sédal Diallo. Les deux-là ont fait que les gens ont aimé la politique. Aujourd'hui, 90% des Guinéens, ceux qui ont l'âge de voter, ceux qui ont une idée, la différence entre le sel et le sucre, aujourd'hui, il n'y a pas un qui ne fait pas la politique, mais avec sa manière. Donc, nous avons pris goût. Mais ce que les deux-là nous ont enseigné là, surtout le professeur Fakonde nous a dit clairement, et si tu veux gagner le pouvoir, il faut être patient et discipliné. Voilà. Une personne brutale, impolie, mal éduquée, ne peut pas avoir le pouvoir. Elle ne peut même pas être un maire. Un arrogant. Regarde Ousmane Kaba. Le frère Makana a dit qu'il ne peut même pas être chef de quartier. Il ne peut pas être maire de Carrefour. Demandez-le d'aller être maire de Carrefour Moria. Quelqu'un qui ne peut pas être maire de sa sous-préfecture ou bien de son district parce que Carrefour Moria est un petit disque de cancan. Il ne peut pas être maire de Carrefour Moria, donc comment est-ce que lui peut être président de la Guinée? Ngokouma Yéné. Les patrons de ces petits partis politiques, c'est eux qui parlent au nom de ce pays-là aujourd'hui. C'est-à-dire eux-là, c'est-à-dire les autres partis, les RPG, l'IFR et l'IFDG sont les petits partis, ou bien des partis qu'on doit exclure pour qu'eux soient présidents. Si vous voulez une compétition, savoir que vous êtes valeureux et vous êtes fort. Acceptons que tout le monde compétisse. Mais vous voulez être populaire et vous n'aimez pas les autres. Comment est-ce qu'on peut être populaire sans aimer les autres? Non, ça ne peut pas marcher. Donc, allez, ok. Abagné, allez voir siège fermé. Allez à vos connards, quand tu as tes sièges, allez au fond. Ça, c'était un. Deuxièmement, je vais vous montrer votre ministre. Le ministre qui est en train de caresser les mamelons d'une petite fille de 16 ans, le ministre Guillaume Awing. Tellement qu'ils n'ont plus peur dans ce pays-là, tellement qu'ils ne se gênent plus. Je vous en prie, allez voir, allez-y, regardez les commentaires, c'est incroyable. Une petite fille, quand vous regardez, je le juge, j'ai envie d'imaginer l'âge de Guillaume Awing et la fille. Vous allez voir je vais vous montrer ça. C'est regrettable. C'est regrettable. Ça, c'est... Regardez. Quand j'ai demandé, j'ai enquêté si c'est vrai. Moi, là, j'ai vérifié. Hein, j'ai appelé, on dit c'est vrai. J'ai demandé. Hein, j'ai dit ce n'est pas lui. On m'a envoyé toute la vidéo. Comment ça a commencé, tout. J'ai dit c'est faux. On dit non, il faut regarder. C'est lui. J'ai dit non, ce n'est pas lui. On dit c'est lui. On m'envoie la vidéo, comment il est arrivé, le cadeau de la fille d'abord, tout ça là. Merci beaucoup mon frère, voilà, pour les explications là. On va laisser comme ça. Je vais montrer ça une dernière fois. Ndima Saint-Fenébé. Guillaume Awing. Ça dit, j'ai envie, ça dit, il faut en assigner, il ça dit, Dieu est fari. Regarde-toi. Il m'a tout bas, il dit, Dieu est matou. Ça dit,
Tellement que c'est pitoyable. Il t'a nommé Sodé Bangé, il nous dit, il dit, elle n'a même pas 20 ans. Il nous a l'attaqué, il n'a même pas 20 ans. Il t'a dit, au fili. Quand j'ai dit, si tu vois la fille aujourd'hui, elle est devenue comme ça là. Périn, périn. C'est pas la peine. Ça dit, j'ai envie d'imaginer. Ça dit, c'est incroyable. Il t'a nommé Sodé, il t'a nous dit, Bangé, oui. Et on t'a pas dit là. Et un homme, dis-moi toi, un bébé. Quand on a un certain âge là, on sait ce qu'on doit suivre. Il y a beaucoup de choses qui amènent qu'on limoge un ministre. Mais toi, je sais qu'on ne peut. Sinon, ça là, on peut te limoger à cause de ça. Des trucs comme ça, ça circule seulement, on te suspend. Je vais te dire quelque chose. Il y a une télévision NBC aux États-Unis. Deux présentateurs, c'est-à-dire le présentateur et la présentatrice, les deux sont devenus, ils ont fait des vacances ensemble. Les gens ont soupçonné simplement des attouchements et autres là. Les deux là ont été suspendus par NBC. Parce que la loi, la fonction, le travail interdit ça. Après, il faut toi. Et ma tobé. Attends. Il m'a tombé. Non, c'est pas la peine. Yeah. Non, il est guitare. Yeah. Mato, Dunia wa Mato, regardez un enfant, où il dit Mato. Où il dit Mato, regardez un bébé, regardez, pas Mato. On peut voir si elle avait 25 ans, mais regardez le visage, regardez. On va laisser comme ça. Donc, Mohamed Saïdou, tu dis dans ton poste Saïdou Fouturé, parce que c'est fini pour toi, tu sais que tu es déjà disqualifié. Tu dis dans ton poste que le RPG va avoir plus que le 5 septembre. On attend. Tu sais, depuis le temps du Prof Safa Condé, tu as été averti. D'abord, le titre d'inspecteur de la jeunesse, on dit ça n'existe pas. Tu n'as pas compris. Là où nous sommes arrivés, comme tu as vu, nous sommes trop forts, nous sommes organisés. Tu es allé jusqu'à un moment dire que le cachet même du bureau n'est pas valable. Toi, ça m'a fait tellement mal. Mais aujourd'hui, tu sais très bien que tu es poursuivable, à gare à toi. Mais comme tu dis que nous allons voir que ce sera plus pire que le 5 septembre, là, il y a eu plus de 200 et quelques morts le 5 septembre. Le 5 septembre, il y a eu tellement de morts. Parce que si tu dis que ça a plus pire que le 5 septembre, tu es prenable au niveau des mots. Mais il y a des gens qui ont tenu des propos plus graves que ça. Tout récemment, quelqu'un a dit clairement ici qu'on peut piquer dans tes cassons l'empoisonné cadeau. Il l'a dit. Qu'est-ce que vous ne savez pas qu'on va le piquer à sa sortie, il va mourir. Devant. Et puis c'est sorti zéro. Même le procureur n'a pas levé le doigt. Il y a un autre qui a dit, c'est un journaliste de grande gueule, le jeune qui s'est là, qui dit qu'il connaît, lui, il connaît, que les gens sont identifiés. Ce n'est même pas caché dans Conakry, des miliciens à visage ouvert. Et ça, visage découvert, du moins ça. Et ça, normalement, le procureur doit l'interpeller et qu'il montre où se trouvent ces miliciens-là. Mais, si toi, tu le dis là, et bien, voilà, ministre, l'angoué, et bien, avec Dioré, 17 ans, 18 ans comme ça, avec ça là, il ira mire. Et que l'on téléphone, iPhone, 100 millions de femmes, 20 millions de femmes. Enseignants et torori, les enseignants là souffrent. Quand moi je dis que le peuple ne souffre pas là, on dit bien de ne dire pas ça. Moi je le dis, le peuple ne souffre pas. Le peuple ne souffre pas. Donc, Saïdou, moi je ne perds pas mon temps sur toi.
qu'on agresse le RPG et que cela sort comme ça cadeau. Oui, on dit qu'on ne peut rien. Oui, on n'a plus le poste à Fakonde, on n'a plus Dr Kassori, on n'a plus Dr Yanné. Ils ont arrêté Oye, ils ont arrêté tout le monde. Personne, Damaro, personne n'a levé le doigt. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme tu dis que ce qui va arriver au RPG, parce que toi, tu as été exclu du parti, ce sera plus pire que le 5 septembre. On attend. En attendant, moi, je félicite le ministre Guillaume, voilà, qui a eu une petite fille fraîchement. Voilà. Et ça, c'est une très bonne chose. Voilà. On n'a qu'à se régaler avec leur petit, c'est très intéressant. Et enfin, Oradi et Loudie ira. Voilà. Oradi et Loudie ira. Voilà. Voilà. Oradi et Loudie ira. Voilà. Regardez. Voilà. Vraiment. Oradi et Loudie ira. Oradi et Loudie ira. Hein? Voilà. À cause de iPhone. On ne sait pas. Oradi et Loïra. Oradi et Loïra. Des petites filles. Regarde, une très belle fille. Regarde, une toute petite fille là. Dirai Morindi, Isoba Bangri. Mireille Radi, Dior est 17 ans. Tu as plus de 55 ans. Tu as presque. Tu as plus de 55 ans. Une petite fille de 17 ans. Plus de 40 ans de différence d'âge. Si tu avais eu un enfant à l'âge de 25 ans, c'est que. Elle aurait eu l'égard d'âge de ta quatrième fille ou cinquième fille. Voilà. Net East of Africa. Notre ami Frère Benito, bon vendredi. Nous, les administrateurs des États-Unis d'Afrique, aimons vos podcasts. Nous vous suivons de près. Nous vous souhaitons un bon et un excellent week-end. Merci beaucoup, United States of Africa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon United. Merci. Zainab Kaba, comment vas-tu, ma soeur? Donc, portez-vous très bien à l'Arabie du Mali. Merci à tout le monde. Portez-vous très bien. Laissez vos enfants avec ces ministres-là. Vous comprenez? Où est le IRA? Ce que vous avez à gagner dans ça là. On a 5 millions d'euros. On a 10 millions d'euros. On a dit le RECANA. Ok? Voilà. Maintenant, ils vont rester comme ça là. On a dit le ministre Nara Mouta Moussouma Yera. Une fille de 19 ans qui a iPhone 13, iPhone 14 déjà. Imaginez-vous que la fille là, après que Guillaume quitta son poste là, vous dites à la fille là de te suivre. Elle va dire, mais moi, je sortais avec un ministre, je gagnais plus de 20-30 millions par mois. Moi, je ne veux pas de toi si tu ne déposes pas ça là. On dit, mais il y a SND. Portez-vous très bien.